Salut tout le monde, c'est Oxodem, supporter de l'AS Monaco depuis 2003 et le passionné de jeux vidéo depuis petit. Comment allez-vous mes chers Monégascu? Bah moi ça va super, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le nouveau code, et oui, WW2 ou World at War 2, enfin je sais pas comment il s'appelle en vérité. Enfin bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. Donc c'est mon tout premier, c'est ma toute première vidéo sur tous les Call of Duty confondus. Et enfin bah je suis content, pourquoi? Parce que enfin ils se sont relancés. Ils ont enfin compris qu'il fallait arrêter les Call of Duty futuriste, où ça saute de partout, sur les toits, ça grimpe sur les murs. En fait c'est un Call of parcours, vous savez. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le parcours, bah c'est un art de déplacement. Et ce sport là c'est inventé par les Yamakasi. En fait vous devez aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Enfin bref, c'est pas le sujet du jour. Donc j'ai juste allumé un petit peu le jeu. Alors pourquoi j'ai allumé? Tout simplement, je trouve que le mode hardcore, il est un peu abusé dans le sens où... je crois qu'il faut... maintenant il faut 3 balles. Et le jeu, il a pas changé dans le sens où c'est toujours des scripts. Voilà, il y a toujours les scripts dans le jeu. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, voilà, je vais me concentrer dans le jeu. Mais sinon, sans compter le... merde, putain, bâtard. Sans compter le nouveau code... enfin, merde. Putain, je bégaye, excusez-moi. Sans compter code 4, pour moi, c'est le meilleur Call of de tous les temps sur Next Gen. Sur Next Gen, bien évidemment. Allez, faut capturer A. Enfin, B, pardon. Ouais, il y avait aussi A. Alors oui, vous allez m'entendre rager. Bon, comme tout le monde rage. Ah, regardez, vous avez vu le script? Vous avez vu le script? Voilà, c'est ça le problème. C'est ça, en fait aussi. Dans le jeu, c'est ça a toujours été comme ça. En vérité, c'est pas nous qui choisissons si on doit faire du mauvais qui. Enfin, une mauvaise partie ou pas. C'est le jeu. C'est le jeu. Par exemple, vous enchaînez au tout début. Et le jeu, il va choisir que vous allez vous faire enchaîner derrière. Et ça, c'est dommage. Ah, putain, là, je. Je le fais def là. Voilà. Là faut essayer de capturer A. Par contre ouais, je vous le dis, je suis pas Gotaga hein. Donc vous attendez pas que je fasse une grosse partie. Putain, voilà, les autres ils capturent pas. Et c'est ça le problème dans domination. En fait, à chaque partie que je fais, bah toujours je me bats comme un porc à capturer, à défendre. Et bah je suis le seul con à jouer quoi. Les objectifs. Et ça, c'est vraiment dommage. Ah, putain! Mais c'est quoi ce jeu scripté? Il est scripté, le jeu! Les gens parlent de script dans FIFA, mais dans Call of aussi, ça existe. Hein. Enfin bref, dans tous les jeux, il y a des scripts. Bon, même si je crois pas... d'accord. Même si je crois pas au script de... dans FIFA, je crois au script dans Call of. Bon, je sais, vous allez me dire, c'est bizarre. Putain. Non, mais regarde, voilà, c'est ça le problème, c'est ça le problème, c'est ça, c'est le jeu qui choisit, c'est le jeu qui choisit, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu qui choisit. Si je dois faire du kill ou pas. Et voilà, regarde, t'as vu, vous avez vu, vous avez vu. Mais ce jeu il est grave scripté. Et puis les autres qui font rien là. Allez, faut capturer B là. Oh putain, on va se faire défoncer. Et voilà. Putain, il capture pas. Ouais, par contre, capturer tout seul, je peux pas, hein. Si je capture, je me fais def, hein, automatiquement. Ils vont capturer, voilà, voilà, y'a personne qui vient... putain. Ils veulent pas jouer, hein. Oh, putain, j'ai cru que c'était un ennemi. Je trouve qu'ils doivent retirer les tirailliers dans... en hardcore. Bon, surtout que moi j'ai pas fait exprès, mais il y en a, ils s'amusent à troller en faisant... à troller.
tout en faisant des tiraliers. Et ça, c'est casse-couille. Ah putain! Putain, mon score! Ouais, je vais peut-être changer d'arme. Ah, voilà. Putain! Mais j'ai hors, mais c'est pas possible. J'ai mis je sais pas combien de balles dans ce... Putain, mais le script. Le script, putain de merde. Putain, ça c'est pas le Call of le plus scripté non plus. Pas vrai ça, j'ai mis je sais pas combien de balles. Bah ouais, bordel, on est en hardcore. Normalement le hardcore c'est une balle, putain. Et surtout qu'il y avait pas de gilet pare-balles en seconde guerre mondiale. Enfin, je sais pas s'il y en avait, mais... Putain. Surtout dans les anciens Call of, c'était une balle, quoi. Et pourtant, il y avait des gilets pare-balles. Putain, 9-17, ah ouais. Non, vraiment, le jeu, il est contre moi, c'est pas possible. Hop. Ah putain, dégâts explosifs pendant... Enfin, sont pas disponibles pendant une, pendant 5 secondes. Voilà, il me restait une seconde. Et ça, c'est vraiment nimp. Je comprends pas ce système. Ah putain! Je l'avais vu, mais j'étais pas réactif. Ouais, je crois qu'on va perdre B. Ouais, voilà. Ah, voilà, bien joué. Il y a quelqu'un sur B. Ça, c'est bon. Oh putain! Ouais, ouais, c'était sûr que j'allais crever, c'était sûr parce que. Bon. Oh, y'a un ennemi. Ah putain. Allez, faut capturer A. Oui, pleine tête. Hop. Ah, bâtard! Ah putain, ça casse les couilles là. Mais merde. Ah non, on va pas perdre C non plus. C'est pas possible. Il est où le gars? Voilà. Tu vois, ça c'est de la défense ça. Tu vois, ça c'est du Camille Click. J'ai du Camille Click dans la peau, putain. Eh, c'est pas possible, je suis un kill, je meurs. Ou alors, je suis un kill. Derrière, je me fais enchaîner. Ah putain, le script. Oh là 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 là. Putain, je l'ai vu, je l'ai vu. Tiens. Non, il m'a pas vu. Oh putain, je me barre. Je laisse, sinon je vais mourir bêtement. Voilà, j'étais le premier à tirer dessus. Et eh bah, apparemment, le script a été contre moi. Ah putain, j'ai un appel, pas maintenant. Oh, désolé, c'est un pote qui m'appelle. Oh putain. Ah, ça, c'est grâce au script, hein. Oh là là. Oh là là. Bon. Oh, je crois que il s'est fait buter mon collègue, non? Bon, ça s'est calmé. Ah putain. Je suis à moins 10 là. Il est où le gars? Il est où? Ah bâtard! On prend de dos. Il y en a en face. Ouais, c'était sûr que j'allais crever. C'était sûr même. On est à 160. Ouais, ça c'est bien ça.
Tu vois, Kamil Glik, tu vois, l'interception de Kamil Glik. Bam! Eh oui, le Polonais, eh oui. Le mec qui porte du rouge et blanc dans les deux sens. Dans le sens où il est monégasque, dans le sens où il est polonais. Bon, je suis pas polonais, mais je vous aime les Polacs. Vous formez des bons joueurs. Surtout Kamil Glik. Bon, bref, Kamil Glik s'est fait intercepter par un attaquant. Putain, j'en ai vu un pourtant. Voilà, le script. Pourtant, il m'a pas vu, c'était sûr. Dans ces conditions-là, le script, il est contre vous. C'est sûr. Et putain, et regarde, vous avez vu le mec, il s'est mis devant, et voilà, résultat. Non, mais je comprends pas. C'est ça, je comprends pas. Voilà pourquoi je veux qu'il retire les tiraliers. Pourquoi? Parce que le bordel, c'est qu'il y en a, ils en font exprès de se mettre devant. Alors, quand on voit un ennemi, c'est pas l'ennemi qui passe, malheureusement, c'est l'allié. Et du coup, bah, ça fait que derrière, je me fais buter. Voilà. Parce qu'il coupe les trajectoires. Oh là 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 là, les gens comme ça, vraiment. Ça rend ouf. Bien joué. Il capture Anatol. Anatol est perdu. Pouh. Bon bah moins 10 hein. 20 éliminations pour 10 morts. 30 morts, pardon, excusez-moi. Oh là là. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, 20 éliminations pour 30 morts, ouais. Le script il était vraiment contre moi. Bon, on a quand même gagné, ce qui compte c'est une victoire. Bon bah désolé pour le score hein. Voilà hein. Putain, j'y capture quand même. Ah non, ils ont pas joué le jeu hein. Ah si, 3 captures. Ah putain, il y en a, il a beaucoup capturé quand même. Street dedans. Bon, bah je vais voir ce que j'ai débloqué. J'ai quitté le salon. Je suis niveau 2, ouais. Blindé, pareil. Qu'est-ce que j'ai débloqué en blindé? Ah, une tenue. Stylé. Le Grease Gun, ça c'est mon arme préférée. Très puissante. STG, je suis level combien? Ça aussi c'est une très bonne arme. Bon bah voilà mes chers Mounigascu, la vidéo se termine ici. Bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous, partagez, commentez aussi. Dites-moi si vous voulez revoir des vidéos comme ça, vidéo rage détente. Moi je la voilà, j'ai trouvé le nom, vidéo rage détente. Parce que d'un côté où il y a un côté où je me détends et de l'autre où je rage. Bon, il y a eu plus de rage que de détente. Et aussi parlez-en à votre famille, parlez-en à votre coach de sport, à vos potes ou même à vos animaux. Et partagez sur les réseaux sociaux aussi. Voilà. Et bien j'ai tout dit mes chers Mounigascu. C'était Oxenal, le supporter de l'AS Monaco depuis 2003 et le passionné de vidéo depuis petit. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut et dagué Mounigou.